La première partie de notre fonction, c'était racine de x plus racine de 2x moins 1. Et on va la simplifier. Regardez comment. Égale. Je vais faire une manip intéressante. Vous allez voir. 1 demi. Et puis 2x plus 2 racine de 2x moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 2. Donc, j'ai rien fait. Égal. Je vais extraire racine carrée de ça, ce qui fait 1 sur racine de 2, fois l'autre, c'est racine de ça. Mais ça, je vais écrire encore ma langue, 2x moins 1, plus 2 racine de 2x moins 1, plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soustrait 1 et je rajoutais 1. J'ai rien fait. Mais, ici, c'est quelque chose de joli. 1 sur racine de 2, je le garde, fois racine. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est racine de 2x moins 1 au carré. Ça au carré, plus 2 fois ça, plus 1. Ça vous rappelle quelque chose? Ce n'est pas a carré plus 2ab plus b carré? Bien sûr, les connaisseurs reconnaissent le carré d'un binôme, c'est-à-dire de a plus b au carré. A, c'est racine de 2x moins 1, et b, c'est 1. Du coup, cette affaire, c'est rien d'autre que racine de 2x moins 1 plus 1 au carré. Égale 1 sur racine de 2 fois racine de a au carré. Racine de a au carré, je rappelle, c'est valeur absolue de a. N'oubliez jamais ça, c'est programme de seconde. Donc, chez nous, on a valeur absolue de racine de 2x moins 1 plus 1. Voilà. De la même façon, l'autre expression, racine de x moins racine de 2x moins 1, en faisant exactement le même manip, ça ne va pas être plus, ça va être moins. Donc ça donne 1 sur racine de 2, valeur absolue de racine de 2x moins 1, moins 1. Et on va trouver la valeur absolue ici, qui évidemment c'est exactement ce nombre parce que c'est positif, tandis qu'ici il y a une discussion si cette expression est positive ou négative. On a donc à vérifier quand racine de 2x moins 1 moins 1 est positif ou négatif. On va voir quand c'est positif. Équivaut à racine de 2x moins 1 supérieur ou égal à 1. On élève au carré. Équivaut 2x moins 1 supérieur ou égal à 1. Équivaut 2x supérieur ou égal à 2. Équivaut x supérieur ou égal à 1. Donc, c'est ici que ces valeurs absolues changent. Du coup, on aura deux possibilités. La première possibilité, si x est plus grand ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre expression? C'est-à-dire racine de x plus racine de 2x moins 1 plus racine de x moins racine de 2x moins 1 est égal à quoi? On va mettre en facteur le 1 sur racine de 2. Et il nous reste racine de 2x moins 1 plus 1 plus racine de 2x moins 1 moins 1. On réduit 1 moins 1, ce qui donne 1 sur racine de 2 fois 2 racine de 2x moins 1. Qui est égal, tout le monde a compris, on simplifie ici. Racine de 2 fois ça, ce qui donne racine de 4x moins 2. Voilà la forme simplifiée de notre fonction quand x est plus grand ou égal à 1. Pour le deuxième cas, c'est plus intéressant. Si x est inférieur ou égal à 1, et bien sûr entre 1 demi et 1. Sinon,
x plus petit qu'un demi, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe avec notre expression? Je reprends, racine de x plus racine de 2x moins 1 plus racine de x moins racine de 2x moins 1 est égal à 1 sur racine de 2. Cette expression, c'est toujours racine de 2x moins 1 plus 1. Tandis... Et donc, cette expression, c'est 1 moins racine de 2x moins 1. On réduit ce racine, ça fait 2 sur racine de 2 égale racine de 2. En résumé, f de x qui est égal à cette expression, plus simplement, f de x s'écrit comme ça. Racine de 4x moins 2 si x dépasse 1, ou égale, valeur constante, racine de 2, si x est compris entre 1,5 et 1. Bien sûr, on va s'amuser pour vérifier ça à la calculette. J'ai introduit la première fonction en expression longue, racine de 2, valeur constante, et racine de 4x moins 2, cette expression plus simple. Alors, fenêtre entre 0 et 3 pour x, entre 0 et 3 pour y, la graduation elle est 0,5, et maintenant graphe. Regardez ce qui se passe, notre première forme, et puis racine de 2, et attention, la troisième. Voilà, regardez comme notre expression racine de 4x moins 2 se superpose exactement sur la première courbe. Démonstration par la calculatrice, évidemment ce n'est pas une démonstration, que c'est exactement la même expression. Constatez la simplification grâce aux astuces que je viens de vous présenter.